Hello! Oula! On a failli rater l'entrée. Il y a 30 secondes, j'étais sur Instagram en plein café plante. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est une grave erreur. Ou pas, t'as peut-être raison de ne pas perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Mais sinon, si t'aimes bien Instagram, n'hésite pas à me rejoindre parce qu'on se voit souvent, presque tous les jours. Enfin, pas forcément tous les jours puisque j'ai une vie aussi. Mais en tout cas, on se voit plus souvent de manière super spontanée. Donc j'étais sur Instagram pour un café plante et là, j'ai pris de graves décisions. Bref, je me suis excitée toute seule parce que j'ai envie de faire 3 trucs. Oh, c'est pas tout à fait le moment, mais là, ça me chatouille et j'en ai besoin pour me sentir revivre parce que là les mecs, attends, je vais te montrer un truc. Alors mes vitres sont propres déjà, merci maman, et tu vois, il n'y a pas un bourgeon, il n'y a rien, que dalle, moi j'en peux plus, hein. Ah, misère. Bref, face au repos hivernal des plantes à l'extérieur, j'ai tout de même constaté que mes plantes d'intérieur font plein de feuilles. Philoburnmax, Philoastatum, Pothos argenté, encore Pothos argenté, Monstera variegata, caféier. Même le Bourgogne volubilis est reparti. Bref, en fait, pour mes plantes, c'est le printemps. L'esquinanthus derrière qu'on a taillé il n'y a pas longtemps, il est déjà en train de repartir. Donc moi, je me dis, ok, ils repartent. Et si je leur donnais à manger. En tout cas, je me pose la question. Et en fait, ouais, j'ai choisi la réponse. Autant vous le dire tout de suite, on va sortir l'engrais. Il n'y a pas que ça. On va faire d'autres petits trucs, mais franchement, sérieux, on attaque par l'engrais là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième truc que j'ai envie de faire et le troisième parce qu'en fait ces deux-là on va les traiter en même temps puisque ça pourrait être similaire même si c'est pas la même chose. Bon, j'arrête d'être mystérieuse, c'est nul, de toute façon je vais vous lâcher le morceau tout de suite. J'ai envie de réveiller mes oxalis. Vous savez ces petites trèfles comme ça à 4... Ouais en général ils ont... Non, il y en a qui ont 3 feuilles, qu'est-ce que je raconte? Je bavasse, je dis n'importe quoi. Bref, j'ai envie de réveiller mes oxalis, ils sont quasiment tous au repos. Il n'y a que l'oxalis versicolore qui est déjà sous la lampe depuis un petit moment, on va aller le voir. Vous voyez, alors là, j'ai éteint, mais je l'ai mis sous la lampe. Alors, je sais, je l'ai déjà fait en automne, tout ça, mais comme j'avais pas suivi, ça n'avait pas servi à grand-chose. Et là, il repart et j'allume l'éclairage tous les jours, bah, sauf quand je filme des vidéos ou des contenus pour Instagram. Et normalement, celui-là, il vous fait des fleurs, mais incroyables, rouge et blanche, c'est un truc de dingue. Bref, le versicolore, il est sous sa lampe, mais à la cave, j'en ai pas mal. J'ai du triangularis pourpre, du triangularis tout court, j'ai du DPI, et j'en ai d'autres, des spéciaux. J'ai le liasandra, et je dois en avoir un autre. Je me souviens plus tôt. Le fanny. Voilà. Donc cette année, le but, ce serait d'en profiter un max, de les faire bien pousser, peut-être en les sortant tous, mais attention, il va falloir trouver la bonne solution. Et en attendant, les gars, on part en expédition à la cave. Collection été 2016, voici la lampe frontale pour y voir clair dans la cave parce que j'en ai ras-le-bol de descendre. Alors ça c'est rouge, c'est quand on regarde les étoiles la nuit, comment elles s'allument. Ok, les gars, on est bloqué, comment on fait? Pourtant l'autre jour j'ai expliqué à Loulou comment ça marche. Ah, tadadam. Là, j'envoie du pâté. Bref, j'ai pris la frontale parce que il fait pas très clair dans la cave. Donc, à chaque fois, finalement, je filme pas quand je vous embarque ou 3 fois rien. Et là, on va vraiment aller voir ce qui se passe. Donc, au niveau des tubercules d'oxalis, mais aussi au niveau des tubercules de caladium. Ceci dit,
Il est beaucoup trop tôt. Le vrai bon moment, c'est plutôt au mois de mars. Il y a plein de gens qui aiment bien les démarrer assez tôt, au mois de février, ben, par impatience, on veut les ressortir, on a envie qu'ils soient énormes, on se dit que si on les sort en avance, ils sont bien plus feuillus, bien plus abondants. Et en réalité, souvent, ça manque de chaleur et ça manque de lumière. Et au final, c'est pas forcément mieux. Voilà, sauf quand on peut réunir les bonnes conditions, mais ça, c'est pas partout. Bref, les caladiums, je pense qu'on va surtout les regarder et dire bye bye, on se retrouve en mars. En revanche, les oxalis, moi je descends les chercher tout de suite. Nous faut la clé de la cave, sinon on n'ira pas très très loin. Un sac. Ça tombe bien qu'il y ait un sac ici, un sac pour ramener les pots parce que j'en ai plusieurs. Cave, les gars. Hop. Ah bah voilà, ça c'est top. Alors ça, j'en profite pour vous la montrer, c'est une étagère que j'ai récupérée, que les voisins avaient mis aux encombrants. Elle se déplie un peu comme celle que j'ai sur le balcon et tu peux mettre des plantes dessus. Donc ça, ce sera pour mettre en extérieur à la belle saison. Déjà en voilà, ça ressemble plus à grand chose. Alors l'idée, non, on va pas en parler tout de suite, on va attendre d'être monté quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande si j'en ai pas perdu. En même temps, comment tu peux perdre des oxalis en pot? Mais curieusement, j'ai que 3 pots d'oxalis, donc mystère et boule de gomme. Plus d'inquiétude, je crois que j'ai résolu un mystère. Je sais pas comment, s'il y a une trace. J'ai résolu un mystère, je crois bien. On va voir, et si j'arrête de toucher le micro, ce sera mieux. Toudoudoum, et regarde ma choupinette avec son sourire, ça c'est le truc qui me donne le moral, mais c'est de ouf. Alors, ah non, non, c'est pourtant bien là que pouvaient être mes oxalis. Oh, j'ai une idée. Tadadam, toudoum. Voilà, l'oxalis qui manquait à l'appel. Oh, en plus, il est en train de repartir. Ok, vous voyez là, la petite poupousse? Ta-da-dam, ta-da-dam. Oh génial. Écoutez les gars, on va peut-être le laisser là celui-ci. Hey, vous voyez ce que je vois? Écoutez, je pose mon Fanny ici et puis je dis mais c'est un oxalis ça. Et ça c'est mon oxalis triangularis pourpre. Donc yes, trop contente. Alors par contre lui, je crois que ce qui serait bien, c'est de déterrer les bulbes et de faire un vrai rempotage avec du nouveau terreau là, je pense. Tadam, on a fini. Alors aujourd'hui c'est une journée de fou. C'est une journée de fou parce que je réveille mes oxalis, parce que je remets de l'engrais à mes plantes alors qu'on est que le 14 février. Mais c'est surtout une journée de dingue parce que là j'ai eu une nouvelle juste énorme. Juste énorme, une nouvelle pour moi qui est énorme, qui change tout, et c'est de la folie. Je vous en parlerai sur ma chaîne Lifestyle dès que possible, mais le vlog sortira après cette vidéo, puisque celle-là est pour demain. Là, je vous fais du tout frais, du tchoum.
Je filme, je monte, je poste. Là, vous avez vous pouvez pas avoir du plus frais, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est une journée de dingue. Je suis très heureuse d'en avoir filmé un petit bout. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez savoir la suite en ce qui concerne cette nouvelle que j'ai apprise, eh bien écoutez, retrouvez-moi sur ma chaîne Lifestyle. Je veux pas ici vous embrumer l'esprit avec d'autres trucs. Ici, on parle de plantes. Donc voilà. En tout cas, même pour les plantes, là aujourd'hui, c'était quand même un peu une journée de dingue. Et ce qui est beau, c'est que je me suis rendu compte que j'avais perdu des oxalis et je les ai retrouvés dans la foulée. On est bon là. On est bon. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir été avec vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que je poste les mardis et les vendredis à 18h pour votre plus grand bonheur. Enfin, j'espère.